t'a bien ensemble yo j'ai jamais en fait m'a jamais ouais bagaille ça de jusqu'à ce que 7 février pendant saut de yo moi ouais crime qu'a fait moi monde qu'a piqué monde moi monde qu'a bat monde qu'a cassé tête monde m'a jamais connu ça jusqu'à ce que je dis un l'amour vin un bagaille que société a banalisé. Il est si clair, m'a regardé un nèg qui prend une caméra, qui a filmé un monde qui brûlait les papotels ce coup. Il y a en pile des monde qui étaient manipulés, des monde pour dire OK, on vous une dictature aller pour une démocratie. De quelle démocratie parlez-vous? Eh bien, nous t'as fou être dans démocratie. M'a pas qu'à dire que régime du Valier était plus bon, m'a de vivre li, mais comme ti monde de on jambe de ouais la vie. C'est vrai que me te gen droit pas de capacité pour me comprendre que parents nous yo pas de ka parler, yo pas de ka di go baka, yo pas de ka faire politique, di yo pas de ka espérer même que yo te ka vinn président, mais espérer pour vinn président pour faire qui ça. Il l'avait si bien dit à son retour, on parle de Jean-Claude Duvalier, qu'avez-vous fait de mon pays? Il avait raison, on pas connaît. Mais le constat, c'est que nous bêtisons depuis 1986 jusqu'à jeudi en que m'a parlé là. Radio Omega. La presse, journaliste, il y a des gens qui estiment que nous contribuons dans Jean PIA. Oui, c'est vrai. Nous baillons menti, nous faisons nous comprendre bagala dans l'intérêt nous dans Jean Nouel. Bay menti, c'est une culture. Bay menti, c'est une éducation. Merci beaucoup, maman. Merci, papa, parce que depuis que tout le monde nous dit que l'offre, il faut assumer, il faut dire qu'on fait. Bâton ou pas, sanction ou pas, à genoux ou pas, rigoise, matinette, cab, quel que soit ça lié à Frétolin, dit ce qu'on fait. Pas jamais bay menti. Madame Manari, merci. Aurélie, Marie-Aurélie Télusma, le nom de ma maman. Nos jeunes filles, maman merci, nous avons écouté l'émission ça. Qui apprennent moins dix vérités dans quelque soit circonstance que liée à. Ça, c'est une éducation que liée. Et m'apprennent petite fille, ça tout. Nous sommes j'étais tout petit, des points papier hygiénique, les déroulés net. Et puis l'aime pas rentrer dans moi, il me dit qui a fait ça? Il dit mon papi c'est moi. Et puis mettre le chita m'expliquer nous on pas gagne doit faire ça mais wall papi j'ai clamé pour qu'il soit gagné pour qu'il soit gagné. Ma fille pas jamais dit mon bagage qui pas ça, toujours dit une vérité. Son éducation et là comme ça ou vivre toute vie ensemble avec lui. Cependant dans politique nous faisons l'autre c'est pas pour grand merci ou en pile fois que me pas recevoir des nèg dans micro ici là, c'est parce que tout bonnement je sais que c'est bluffeur que oui. Moi dit en pile, gien des moun ou k'ap mener enquête dans pays hein, des pour l'ap mener enquête c'est bluff. J'appelle à la barre comme la dernière fois à l'émission de matin débat, Esaïe t'a relé mal à la barre. Gien des nèg que me ka relé à la barre ici là. Moi connais c'est des bluffeurs que oui. Ou pas qu'à faire ça au confiance nan rien absolument rien parce que toute vie c'est utiliser de la politique pour nèg joindre bien-être li donc pile nèg ici c'est bluffer oui et malheureusement toujours dans radio radio ba yo parler on a le bon exemple grand homme qui pas supposé jamais parler dans micro qui te doit jodi hein en quarantaine dans la société. Qu'est-ce qu'il y a à parler et où est-ce que nous? Gagné par exemple, émission intersection qui va M. parler, on parle de Sauveur Pierre-Étienne. Non, excusez-moi, j'enlève le nom. Désolé. Pourquoi ça est Sauveur Mali? Parce que je suis content de M. Nazini. Professeur, c'est vraiment parlé. Il saute son dernier ouvrage, je n'ai pas pour parler de l'épi devant. On parle de Negue Tipier, Pierre Espérance. Jean, c'est pas Pierre, Sauveur Pierre-Étienne, qui fait que sorti un ouvrage que nous avons pour nous parler, même si nous avons contention avec dans Zénith. L'on prend par exemple, t'as Pierre Espérance, il parle dans le micro. Mais personne ne va jamais questionner
question un million de gouttes là. Il y a des médias qui parlent. Il y a plusieurs autres médias qui parlent. Comme si Pierre, son équicien. Je n'ai pas besoin qu'on ait son équipe expliqué. Monsieur font une bêtise, il faut le payer. L'âme qui perd, c'est celle qui mourra. J'ai lu une correspondance que Yuri Latortu a adressée à Kalmura Kanta, pour le dire, que la commission a besoin d'une enquête sous question moun qui prend million yo. Yuri Latortu n'a pas jamais entendu Garcia Delva dit dans poum gazoline qui sous route aéroport à Botier porte là, il était porté un chèque extrait à Bali. Monsieur pas jamais songer ça. Pas d'enquête qui a mené sous ça. Justement, il faut que l'enquête qui mène sous ça. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas jamais entendu que, en décembre 2018, ma cité Garcia Delva, monsieur prend un chèque dans le ministère de la Culture, sous nos organisations, en deux tranches, 2,5 millions, 2,5 millions, il mette sous business qui c'est National Security. Ou bien le National, compagnie sécurité que le gagne. Ça, pas d'enquête qui a fait sous ça. Monsieur Bam dit non, petite parole. Ma pour dire, et je veux chaque grand monde qui l'attendait. Nous sommes en pile qui t'es choisi pour voter dans l'élection parce que nous ne croyons pas dans la question de banane ni PHTK. 590 000 monde sous un total de 6 millions de citoyens à l'âge de voter. 590 000 moun te kwe ke banan nan te kabay résultat. Mais près de plus de 7 millions de citoyens qui te gen l'âge pour voter te choisi pas entrer dans banan nan. Dans 590 000 moun sa yo, il y avait Yuri Latortu, Evans Paul et Joseph Lambert qui te kwe nan Jovenel Yowa que monsieur c'est ton sauveur de kavin fon bagay. Aujourd'hui, plus de 500 millions de citoyens avaient raison puisque ils pas croient. Et de fait, je vous dis, hein, raison est clé dans mes Radio Omega. Il n'y a pas une explication que ni Lambert Kabam, ni Yuri Kabam, ni Evans Paul Kabam, sous pour qui ça, ils ont fait choix ça, ni Gabriel Fortuné Kabam pour qui ça, ils ont fait choix ça. Et que je vous dis, hein, avec une aisance, une facilité, n'est qu'à venir dire opposition. Je ne comprends pas. Regarde maintenant, toi-même qui m'écoute. Ou bien, vous-même qui m'écoutez ce soir, garde dans le profil moi pour nous, Yuri Latortu qui a mis chape sous Jovenel. Et, nous sommes en 2017, janvier 2017, Guéry Henry, animateur. De même émission, ça aurait les bouquins de la parole. 8h, 10h, sur Signal FM. Le n'a posé question, il crève là. Mon cher, à l'époque, Yuri Latortu était dans un game, était dans un trip Jovenel. Il n'y a pas de cas dit rien parce que peut-être il était dans un vente Jovenel. Je dis, hein, il dit Jovenel, tout cas, il était bagaille. Jovenel parle à bandit, Jovenel parle à etc. Mais le dossier, il crève là, il était un saint. Bluff là, on limite. Jodian, Jovenel est un incompétent avéré, cru, nouvel, qui était moun. Souti dans la rue. Mais vle jeune garçon, jeune femme, expliquer situation difficile qu'il a traversé depuis 2 ans et demi. Je permets, dans l'émission ça, Jean-Charles Moïse, par exemple, parler. Parce que c'est vrai qu'il y a des relations avec Jovenel. Même pas le crédit, a, comme on est qui a parlé. Parce que, il était clairement bas position. Mais cette histoire de nègre, il y a un deal qui a été fait, il n'y a pas marché, je dis, il faut comprendre, mais le Seigneur là, négatif, ça va la donner. Il va raconter ça. Et, je dis ça, c'est vrai que je cite des noms, à l'aise, je cite des noms. Chaque monde a un droit de réponse. Mais nous pas qu'à faire pays à ça pour nous passer pour plus bon.
Et je demande ce soir à mes auditeurs, m'amende nous pour nous aller, mais qu'on gagne bien nos cafés, comme nous faisons une proposition de pas marcher, en bail. Ça ne pense pas si nous avons été Yuri, président de la République, ou bien Vince Paul, ou bien Lambert, ou bien Nenel Kassi. Moi-même, j'ai presque perdu 2 ans et demi. 2 ans et demi d'entreprise de qui va marcher, petit business, ou faire mon business dans le sud là. Je vends une moto dans le sud, je ne suis pas capable parce que la moto ne va pas sortir de Port-au-Prince pour aller dans le sud. Je ne suis pas capable. Pour une année, je vends 58 motos. Normalement, je suis supposé vendre 120 motocyclettes. Je ne suis pas capable. Parce que Viloca est fait, presque de temps en temps, ville l'a bloqué. De temps en temps, on fait mes business. Et les gens qui travaillent avec vous, ce n'est pas des journalistes, ce n'est pas des jours payés, c'est mon boss maçon, on peut faire 20 journées. Ils ont un salaire mensuel. Qui tout ouvert, qui tout pas ouvert, faut payer. Donc, pas qu'un peu instabilité à déranger moi-même comme citoyen. Ça veut dire que j'ai perdu 2 ans et demi. Je pas qu'à continuer à perdre 2 ans. Mais on n'est qui t'es par exemple, fin fait tout beurre et puis je dis au campé là, pas fait population, quoi, quoi, c'est sain. Pendant que passé pour un Jovenel Moïse, faut tout prendre ça et tout. Sous question, bail l'argent. Nous sommes en mai 2012. Laurent Salvador Lamotte, qui t'aime répéter Steven Benoît, qui dit clairement que Laurent t'a rempli une seule condition, l'âge là seulement. N'empêche que, Évalier Beauplan, Yuri Latoti, Joseph Lambert, Nenel Kassi, Anna Kassi Jean-Hector, pour me citer ça seulement, ils ont tous été votés, Laurent Lambay, Laurent Lamotte, vote là. Parallèlement, Jean-Charles Moïse, Pierre-Francky Exius, et bien-aimé, Annick Joseph, Mounsa ont quitté ça là parce que tu dis Laurent Lamotte pas trop les conditions. Tout le monde songe, combien de cobs et valiers pour planter Genamène, combien de cobs Nenel Kassi te gagné. Combien Kob Yuri te gagné, combien Kob Lambert te gagné, combien Kob Anakassis te gagné. Anakassis dit clairement, tout le monde a osé. Radio Omega. Jodia, dans l'histoire de Wilfried William Michel, on parle de $100,000 US par tête de bétail, entre guillemets. Nekounia prend l'argent justement, parce que c'est une pratique appliquée, adoptée par des sénateurs qui te kon fonctionner en vain. Mais m'équipe sa jodi an, kapre l'amre, gène kap vole l'argent, pratique là, c'est nous démarrer le niveau jusque là. Et si nous bat gen comportement ça, à faire prendre l'argent dans le premier ministre pour mettre aujourd'hui en bat là. Steven Benoît, pour un pile moun peut-être qui connaît le dit, li gen défaut pal. Mais jodi an ka reconnaître que c'est un citoyen extraordinaire. Je ne vais pas dire, mais c'est un citoyen extraordinaire. Il fait preuve lui déjà. Moi-même, mes crocs pour prêter la parole à prouver pour jeunes femmes, jeunes garçons, qui pas fait une fête toute richesse sur la question corruption, dans bras sans vêtements, voilà. Mes crocs pour prouver pour tout le monde qui a souffert aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, que pour voir ça là, il n'y a pas qu'à délivrer. Mais pas de moun sa yo. Pas de moun sa yo. Non seulement yo, fait l'argent, ça ka pa dans palais. Rentre dans palais, ça ka pa dans primature, rentre dans primature. Et puis confortable. Et que je dis, hein, nous à l'aise pour nous faire, pour nous passer un peuple dans Tintin. Nous pas faire ça. Nous pas faire ça. Et c'est dans le mouvement baïmenti, justement, qui fait que grand pile nek, je dis, que des problèmes parti. Moi, parler avec un monde dans le plus haut niveau qui dit que, aujourd'hui, par exemple, il y a des nègres dans le Parlement qui n'ont pas de visa du tout. Qui peut-être acheter une belle maison dans Boca Raton et autres. Mais je dis, il n'y a pas qu'à arriver à Boca Raton. Parce qu'il a présenté des faux documents pour dire que y a des gens qui ont gros l'argent dans des banques. Il a confirmé, c'est faux. Nous pas qu'à continuer à mentir. Politique pas qu'à faire mentir. Nous pas qu'à. Ouais, moi.
Mais jure, me dit tête moi ça. Mon cher invité bay menti. Dernièrement, une information qui sorti dans poste Piro. Bay information parce que il y a plusieurs monde qui relèm. L'aime tendé inspecteur commissariat machin David Edren que nous saluer. Il dit mon cher information bay là pas ça. Honnêtement ça dérange moi. Moi seulement perdu une phrase là-dedans. Deuxième information. Me songe gon policier qui t'est mouri, nèg qui vinn voye une image ba moi, nèg qui voye image là, c'est un chef de gang qui voye il. Qui dit moi maintenant qui ça monsieur mouri. C'est après m'a vinn comprendre que nèg yo qui fin tuer monsieur maquiller bagay là et yo induit en erreur. Deux bagay ça au dérange m. Et me songe publiquement que m'té ça dérange m. Et chaque jour, je suis inspecteur Edren, David Edren, pour me dire, monsieur, mon cher, il t'a dit, lors d'un bagage qui passe ça dans le micro, ou pour te faire droit jusqu'à ce que peut-être, ou soit pas dans le micro encore, bon, il est en bas. Mais pour qui son nec décide de mentir son monde? Zokre, sénateur Zokre, il t'a dit, dans la radio qu'il gagne, on parle de Zokre. Monsieur dit violon ti moun 16 ans. Fais politique là bien, pas bay menti mon frère. Il s'est nèg bay menti. Et jodi an, yon relator ti trouvé l'on situation extrêmement délicate. Le Fritz William Michel dit monsieur ou di gon chèque, men numéro chèque là 31 millions faut bay numéro. M'pa pral rentrer dans détail parce que m'pa men enquête sur Fritz William Michel. Mais il dit ou campé dans radio dit monsieur gon chèque 31 millions. Mais numéro chèque là et numéro bail chèque là est pas vrai. Ou pas qu'a fait ça. Kounya nous tout dit madame Fritz William Michel. Bon monsieur dit comme ça, puisqu'on dit gon chèque 31 millions, monsieur doit présenter copie chèque là bail démission. Bon fin présenter les puis monsieur bail démission rapide. Bon on résout problème là. On tout forcer monsieur démissionner. N'a forcer le démissionner justement non seulement parce qu'on bail chèque là, mais pour toute l'obéi qu'a dit que monsieur baille l'argent à gauche à droite là, mais nous baille chèque là, baille copie chèque là. Sinon, qu'on fait silence parce que ça arrive déjà qu'on dit des bagages qui ne sont pas corrects. Et où on de qui ça m'a parlé? Le constat est clair. Et moi, de chaque citoyen cap côté de là, est-ce que nous voulons continuer avec pouvoir ça? Si mauvais micro n'a dit non. Mais qu'on y a qui formule pour nous débarrasser pays une fois pour toutes de PHTK. Est-ce qu'on y a une formule là? Mais pas moun sa yo parce que ou pas besoin peur. Cette histoire de moun sa k'ap venir c'est la gestion de la corruption. Tout moun sa yo k'ap venir monter là, venir besoin parler pour peuple mentir, si c'est faux. C'est faux. Kouem c'est faux, mais kouem c'est faux. Yo pa gagne comme crédibilité. Et m'te dit, m'a pour dit, gène ka parle de nek ki bon nan parlement, m'a pour prendre. M'a pour prendre encore. Ouè nan parlement, kap ki la, pou mwen pa aucun moun ki korèk. M'kle sou question sa. Et, si nou pa dégagine, nous même personnellement mettons ensemble une sortie dans trou que nié là personne ne va pas retirer la donne allô bonsoir comment est Gabriel Fortuné bon là Gabriel Fortuné et bon tout tout ça dans émission soya et outé et député sénateur délégué départemental, magistrat au CAI, et proche pouvoir, d'ailleurs, ou sont ayant droit de ce pouvoir. Et moi, dit permettre que c'est la dernière fois que moi, je vois un équitant de politique déjà, parce que nous finissons par tout genou, moi, constater que et, nous n'avons pas de résultat dans le groupe des politiciens qu'on y a. Et beaucoup de la parole décider comme si aller vers d'autres jeunes. Ça veut dire que, à soi,
Nous allons faire une interview là qui veut dire exactement ça veut dire. Nous allons faire une interview pour que nous capables garder pays. Mais définitivement, nous allons chercher la jeunesse qui pour prendre pays. Mais parce que ça arrive en pile fois que nous induisons nous en erreur, notamment ou même par exemple sous fougue que moi te gagné, moi ou Gabriel Fortuné dans plusieurs régions dans pays dans grand nord pays cap mandé moun voter Jovenel Moïse voter banane 2 ans et demi situation moun yo vinn pi mal Gabriel Fortuné 2 ans après ou même qui t'ai mandé moun voter banane maintenant qui sanye là si m'a prend moi textuellement maintenant qui li di oui, mais c'est un mot créole maintenant qui l'obéit nous là jodi hein et ou c'est youn nan moun qui fouine là Gabriel Fortuné. Est-ce que ce soir nous allons parler de remords, de regrets ou bien on vit mande moun yo excuse pour ça que moun yo a subi jodi a. Oui, bonsoir Gabriel Fortuné. Vous gardez la parole. Bonsoir guerrier et m'tap suivre avec un plein attention une introduction m'pas capable de très dur mais répondre. Et qui reflétait la situation actuelle du pays, c'est que nous avons environ 13 millions d'habitants qui vivent dans l'angoisse, dans l'amertume, et qui ne connaissent pas à quel sens ils vivent. Donc, nous prêts pour répondre à toutes questions, et pas bien des questions tabous. Je vais répondre avec moi. Et comme on m'a dit, est-ce que j'ai un regret, pas qu'un regret. M'assumer ma responsabilité et me faire campagne président Jovenel. Pas regret que me faire, m'assumer. En même temps, me constater, même avec tout citoyen, et tout citoyen qui respecte tête, qui ont conscience, que nous avons une situation vraiment extrêmement difficile et que ça exigeait. On dit bien exiger de grands sacrifices pour nous sortir. Mais il y a deux bagages, ma petite. Nous avons une fin de système. Nous avons une fin de cycle. Et malheureusement, c'est le président Jovenel qui vient assumer sans expérience de pouvoir, sans expérience de la vie politique et avec un héritage très lourd. Malheureusement, il n'est pas su forger une équipe pour faire face et à ces défis. Et je dis à ce pas accuser X ou Y, c'est garder la réalité en face et répondre à la question que faire. Et je dis à ce nous pour changer VIA. Bon, vous venez avec vos vocabulaire jeunesse, je suis d'accord, mais c'est un concept qui est galvaudé, c'est un concept qui c'était une entité qui est exploitée au pays, je suis tout le moment ça. Je pense qu'il faut nous prendre beaucoup de précautions. Et parce que l'on dit la jeunesse haïtienne, je dis à ces générations post-duvaliers qui voient seulement des bêtises, malheureusement, c'est une génération pas non responsable. Transmission n'a pas jamais fait une transmission objective, pas jamais une relation vraiment positive entre génération pas non. Et eux-mêmes, je dis à Capranti, depuis après duvalier dans les conditions que nous connaissons, il faut nous prendre plus de précautions parce que cette jeunesse, même si pas une statistique au clair des hommes là, en grande partie tout, de voter Michel Martelly, de voter etc., de voter etc. Donc, pour nous prendre précaution, pour ne pas tomber dans plus l'obéir, je nous dis, tête faite, qui s'appelle prophète, je dis. Gabriel Fortuné, bon, nous allons laisser regarder. Je dis à là, 2 ans et demi après, comment est l'administration Jovenel Moïse là? Comment est les amis, frères, qu'on a demandé moun voté ya, qui lecture sont gardés deux ans et demi après le constat? Bon, le constat est affligeant. Et c'est un bagage très difficile à décrire, c'est un affaire. Le premier responsable, c'est le président de la République, c'est le président, celui qui au timon des affaires, c'est le chef de l'État, et nous pas besoin de passer par quatre chemins, le responsable.
nous avons parlé d'un système. Pourquoi système que Nadam a pu débattre sur lui, c'est nous avons un système sur le plan économique qui domine en grande partie par une économie d'importation. Que des politiciens et des membres du secteur privé, eux-mêmes, ils ont des contrôles qui sont ça. Et qui centrent autour de la douane, de la contrebande, etc. Et deuxième élément, c'est que ces mêmes éléments, politiciens et maintenant hommes d'affaires, ça s'appelle la mafia d'État traditionnelle là, ils ont capturé l'État. Et si on lit du dernier livre, Fritz Jean-Yo, donc c'est un thème que l'utiliser, la capture de l'État. Donc, je dis à l'État tout au service de population, qui prise en otage. Et je dis à toute réponse qui peut porter dans la situation que le peuple a vivre là, que la population a vivre, il faut libérer l'État. Radio Omega. Il faut nous libérer l'État. Et le président, il y a une responsabilité dans ça. Il faut nous libérer l'État. L'État a pris en otage par des politiciens et par des hommes d'affaires. Et les fêtes, comme on dit, autour de douanes, de contrebande. Et maintenant, les entreprises de l'État qui liquidaient, ce n'est pas l'équipe Sahano qui liquidait les entreprises de l'État. Mais maintenant, je viens liquider l'autre bagaille, je viens. Et il y a une amplifiée situation. Je veux dire, il y a une opération faite par la population pour nous, pour nous capables de libérer l'État. Ça, effectivement, ça, fondamental, indispensable pour capable de faire face à tout problème, étape par étape. Et tant aussi longtemps que nous n'avons pas libéré l'État, donc maintenant, nous ne sommes pas capables de sortir. Il faut se faire. Je crois que le président de la République n'est pas capable de libérer l'État pour compter. Et parce qu'il est lié quelque part à la question ça. Non, oui, montrez qui Jean-Jovenel Moïse lié à. Montrez ça. Il est lié que des hommes d'affaires qui étaient financés la campagne du président de la République, après 2 ans et demi, ils n'ont pas jamais fini de toucher. Communication a passé mal, Gabriel Fortuné. Communication a passé mal. Vous n'avez pas changé de position, oui? Oui. Ok. Moi, je dis, le président de la République, il y a une grande responsabilité dans tout ça. Il y a des hommes d'affaires qui financent la campagne du président. Et il y a des hommes d'affaires qui sont même mis sur les institutions du pays, par exemple, le Parlement de la République d'Haïti. Maintenant, ils n'ont pas jamais fini de toucher. Ils n'ont pas jamais fini de toucher. Ils ont pris un pays en otage, ils ont pris caisse l'État en otage, ils ont contrôlé le ministère des Finances, ils ont contrôlé le ministère de la Planification, ils ont contrôlé sur le coût supérieur des comptes, et ils ont fait ça, ils ont volé dans le pays. Et est-ce que nous ne pouvons pas tout, pendant l'interview à Souéa, tout identifier Mounsayo, au moins pays, société à Kakone, nek, homme d'affaires, femme d'affaires, ça yo? L'histoire n'est pas trop longue. Mais ça m'a parlé à tout le monde, le palais national Gonel, la primature Gonel, tout le monde. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des révélations qui sont faites, il y a des choses que tout le monde connaît. Donc, c'est un petit problème qui vient. L'État n'a pas de ressources pour faire face à la responsabilité. Côté ressources, il y a des petits groupes mafieux. Ouais, passez mal. Gabriel Fortuné, cherchons une bonne position. Ouais, bien parlé là, mais cherchons une bonne position, non? Radio Omega. Allô. Ça va mieux maintenant. Oui, ça va ok, mieux. Ok. Moi, je dis clairement, l'État haïtien n'a pas de capacité et pas de ressources suffisantes pour faire face à ses responsabilités. Le président de la République n'a pas gagné moyen de sa vision, de ses ambitions. Mais il est responsable. Il doit avoir le courage. Je dis à fond que monsieur ait courage pour le connaître. Qui des bagages qui pour rapatrier. Si, par exemple, il y a un. Oui, communication difficile. Allô? Oui, oui, n'écoutez où? Oui. Nous avons besoin de 150 millions de dollars à Taïwan, très bien, en termes de population. Mais si nous mettons minimalement l'autre dans la douane haïtienne, nous avons besoin de 300 millions, nous avons besoin de 400 millions.
Donc, président, il faut qu'il ait le courage de dire, je ne vais pas le battre à Beauplan, je ne vais pas le battre à Yuri, je ne vais pas le battre avec Aristide. Hein? Non, ce n'est pas là le problème. Et c'est, là, on parle de jeunesse, il faut bien comprendre ça qui est là. Il faut bien comprendre ça qui est là, ou bien s'amener les ressources de l'État, les contrôler par une minorité mafieuse, de politiciens et d'hommes d'affaires, et nous-mêmes, nous sommes des lâches, malgré nos connaissances de ça, pour que le peuple a souffri, nous pas libérer l'État pour que reste ça nous mettions à la disposition de la population. Ça, c'est le vrai problème. Et puis maintenant, spectacle n'a pas le moins n'a pas tant Gabriel Fortin n'a vienne sur parlement parce que moi connais où t'es ancien non n'a vienne sur parlement n'a vienne sur parlement on était là regardez goma intéressant dit là ou dit nous même dans l'état nous c'est des lâches. Est-ce que jodi en Gabriel Fortuné même j'en avais ou reconnaître et admettre que le président de la République, Jovenel Moïse, se sont lâches. Est-ce qu'on ou admet ça? Même au départ, je connais, mais est-ce que vous même qui êtes en mille proches, li, est-ce que finalement, ou admet et comprennent que M. sont lâches? Vous cantez la parole. Oui, le président de la République, les sont lâches, parce que la lecture que M. a, il fait le tout. Il fait le tout. Le président n'est pas un imbécile. Et je, pour qui est-ce qui pourrait maîtriser statistiques pays? Ressources pays? C'est le président de la République, c'est le gouvernement. Hein? Au lieu du président complice, on préfère-t-il c'est lâche. Hein? Est-ce que lâcheté ça, c'est pas en fonction de complicité antérieure que le dégain? Non, écoutez, alors, c'est pas sur Jovenel que ça a commencé. Il n'a pas commencé sur Jovenel. Maintenant, il n'a pas trouvé suffisamment sur Matéli, il n'a pas trouvé suffisamment sur Duval, parce que c'est Petro-Caribé qui t'a arrosé un peu partout. Ce n'est pas qu'une bonne gouvernance qui t'a gagné. Président Préval arrive et fait mandat grâce à la ministre, grâce à Petro-Caribé. Président Matéli arrive et fait mandat dans les mêmes conditions. La différence avec président Jovenel, pas joindre, aide internationale intéressante, et pas joindre Petro-Caribé, etc. Mais maintenant, l'action. Le discours de campagne du président Jovenel, les promesses et la volonté de afficher pour que ça change graduellement, après 2 ans et demi, nous pas jeunes ni, ou bien il y a lâcheté, ou bien il y a complicité, ce qui est inadmissible pour un judiciaire. Je tiens sur un combat où met-il un des groupes de sénateurs esclaves qui travaillent pour leur maître, maintenant ils ont des miettes, maintenant c'est qu'on a les 100 000 dollars, c'est des miettes qui vont des esclaves, maintenant vous trouvez la population. Parce que si il y a des hommes d'affaires qui ont distribué 100 000 $ à des sénateurs, un contrat qui va le tirer, mais dans le cas ça, nous n'avons pas besoin de dire, c'est tout pour nous dire ce qui est cette question-là. Je dis, là, je ne vais pas parler même des négociations. Je ne vais pas revenir sur ça. Négociations qui est qui? Hein? Pas des négociations, je vais faire avec Yuri Latoti. Mais même bon, je suis avec Yuri Latoti. Sauf que je dis à Yuri Latoti, il n'y a pas de journal. Mais pour qui ça? Mais sur le marché de la corruption. Hein? Sur le marché de la corruption. Pas de ça. Je dis à comme si nous, les ressources de l'État, il faut que nous allions chercher eux, tout pour nous libérer, il faut que nous libérions l'État, c'est pas vrai, pour nous mettre au service des hommes d'affaires, au service de la population, au service des classes moyennes, au service de l'université, au service de la paysannerie. C'est ça que vous faites, je dis. Les gens m'ont des négociations là-bas, là, et PHTK, c'est pas ça, non. Ça, c'est une bataille d'esclaves, maintenant, pour regarder, pour être capable, qui est capable de servir, mettre sur pied. Et M. c'est un petit groupe de mulâtres, c'est pas vrai, associé à des politiciens et malfrats, maintenant qui prépare à mettre dans une situation pareille. C'est inacceptable pour nous, je dis, c'est la plus bizarre. Gabriel Fortuné, moment de ça. Selon vous-même, est-ce que c'est une question de trip, de conscience, de principe? Ou pas seulement pour contour, puisque tu as Yuri dans la Tibonite, tu as Lambert dans le sud-est, ou même où tu es dans le sud, qui ça explique que Evans Paul, par exemple, tu es dans l'ouest, qui ça explique que Evans Paul est à l'école, Yuri est à l'école, Lambert est à l'école sous Jovenel Moïse, ou même, malgré les tupos, ou pourquoi j'aime passer à l'opposition, qui ça explique ça? On va passer à l'opposition en face de Jovenel Moïse, on dit ça déjà, on va passer à l'opposition. Passage de Jovenel Moïse. Il fait ça plusieurs fois déjà.
toute l'opposition à la valasse qui me dit là dedans on fait la valasse. La valasse c'est pas pour Dieu matin, non, on fait la valasse. Me dit là dedans après on fait l'opposition. On fait certaines oppositions, on dit certaines systématiques comme ça, président Brivel. Et même la présidente m'a dit, on fait certaines oppositions. Maintenant, même si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, c'est nous fait 25 ans à faire, dans de très mauvaises conditions. Je dis, ah, ce n'est pas chauffeur le plus souvent qui a des problèmes. Nous gagnons camion qui n'a pas de moteur, qui n'a pas de transmission. Hein? Nous trafiquons moteur, nous trafiquons transmission, pour bien parler dans le cas ça. Nous gagnons camion qui nous trafiquons moteur avec transmission. Et puis, je dis, on a tué le chauffeur. Oui? Non, mais vous voulez un camion, quand des camions en panne, et puis chauffeur à campé Bolaria, la fumée, non, la fumée, la bouégouac, non, chauffeur à campé Bolaria, la fumée, la bouégouac, la benjoy, à ti madame ni, et puis qu'on ça ne veut rien dire. Mais chauffeur, ça, c'est son irresponsable, ou ce deal là tout. Non, tout à fait, même si nous passons chauffeur, même si mot là qui est important, nous trafiquer moteur, trafiquer et transmission en camion. Hein? C'est pas pour tout, parce qu'il travaille en pile, le camion travaille en pile, il tombe en panne. Nous trafiquons. Nous connaissons ça, nous faire. Nous, c'est des criminels. Parce que des batailles, tout le monde connaît chiffre. Tout le monde connaît ça qu'a fait. Est-ce que c'est pas parce que. Même au niveau de la presse. Même au niveau de la presse. Vous n'êtes pas des anges. Vous n'êtes pas des saints. Et cela dit, c'est même. Moi, Mélène fait baille ça. Gabriel, moi, Mélène fait baille ça, comme Zimnado. Non, seconde. Il y a une interview. Non, nous faisons plusieurs fois, Fon Copy. On interview à fait. Et le premier réflexe, nous. Pour nous démoraliser, journaliste qui a fait interview ou bien la presse. Non, attendez. Pour nous démoraliser, journaliste qui a posé une question ou bien la presse, nous toujours indexer, même nous-mêmes, tout la presse. Ça veut dire qui ça? Pourquoi nous faisons ça trop? Non, écoutez. Soit un sérieux. Alors, on est hors de la société haïtienne. Non, mais je vais faire la tour comme si. Non, et comme si on voyait ballon, hein, depuis la presse. Non. Pas ici. L'homme qui tient, pas parler de secteur. Secteur pas ici. Ce qui a patrouillé tout dans sa vie. Mais qui finance la presse? Qu'est-ce qui finance la presse? Hein? Vindouat. Qui finance les élections? Gabriel Vindouat. Qui finance la presse? Vindouat. Non, là, Vindouat. Qui finance la presse? C'est le monde qui finance la presse, c'est qui finance les élections. Hein? Et si ça fait. Non, mais l'on dit qui finance la presse là, et comme si Mdadou que ou dit que la presse, il n'y a pas de liberté pour le parler. Et comme si moi même guerrier, il n'y a pas de liberté pour le parler. Ou pas la presse, ou c'est un journaliste, ou pas la presse. C'est même Jean-Pierre Moun, comme si Mdadou qui arrive dans l'État, il faut passer plus tard. Hein? Pour arriver dans la police, il fait le passer pour la police, pour l'institution parlementaire. Non, la police. Mais il y a parce que le député sénateur pour 45 ans, il fait le passé pour le Parlement. Et ça fait réforme par exemple capable de faire. Parce que nous faisons le passé pour l'institution. Alors que nous sommes animateurs jeudi à l'institution, avec un mandat, avec une temps limité. Et l'institution a prêté. Hein? Et je dis à tout le monde capable. Et chaque fois, chaque monde dans ce secteur, il est capable d'interpréter l'institution. Parce que je dis à la commission de la alors l'église va l'église responsabilité par. Hein? L'église va agresser sous habité par nous. Hein? Nous qui sommes sous habité par nous. Université agresse sous habité par nous. Université n'a pas plus bien fonctionné que par le national. Université n'a pas plus bien fonctionné que parlement. Et la crise est globale, une crise d'autres sociétales liées. Mais maintenant, il y a un niveau de responsabilité. Maintenant, je dis à ce qu'il y a un couple pour faire, c'est pour nous mettre ensemble, c'est pas vrai, pour nous libérer les haïtiens, qui sont même mafia d'État traditionnel là. Si le président Jovenel Barrio nous ressource, pour faire face à la responsabilité. La corruption en Haïti, c'est quoi? C'est la société entière. C'est la société entière, la corruption. L'impunité. Et tout le monde bénéficie de l'impunité. Je dis à quelqu'un, gros chef de l'opposition, ou qui gros chef de le pouvoir. Maintenant, ce n'est pas de l'impunité, il y a des barreaux, il y a des prisons, il y a des jugements. Et c'est ça qui est hypocrisie quelque part. Hypocrisie. Nous sommes un marché de corruption qui est une bataille pour hégémonie. Qui est capable de contrôler le marché de corruption. Hein? C'est ça qu'a fait là, je veux dire. Avec complicité de nous, tout secteur, y compris la presse.
Non, papa, comme on dit, non, comme on fait différence, je suis pas la presse. Pas, passer pour la presse. Non, ça c'est vrai, je suis d'accord, je suis pas la presse. Et ça que fait petit Gabriel Fortuné, ou Mdouza, mon chem content assuré à vous, c'est dernier groupe nèg, l'ancienne génération que m'apprend. Dernier fois m'a parlé de monde. Non, fais ça, tu peux pas faire là du tout. Soit tu vas dernier mon m'apprend. Maintenant, je suis mieux, tu veux pas des mots, non? Non, parce que bon, ok, Brouya, m'bral vers la jeunesse. Avec des jeunes. Non, écoutez. Non, m'bral vers la jeunesse. Ça, m'bral c'est quoi ça m'a fait. Brouya. Non, on doit faire. On doit faire parce qu'on lit. Moi-même, c'est même un balou. Mais jeunesse, ça, tu ne dois pas aller de la vraie modèle. Regardez ça, tu suis passé sur ce là avec des jeunes. Des jeunes recrues, ça passe. Hein? Sans éthique, sans moralité, sans, etc. De qui ça parle? De Timé Seyoyo? De Timé Seyoyo? Mais non, plus que ça, mais on n'a pas l'honneur de tête. Mais oui. De Timé Seyoyo? C'est quoi ça? Oui. Et pas de forme, ça n'a pas parlé, Gabriel. Kounia, on a regardé un bagaille. Non, comme je dis un bagaille. Mais c'est ça lié. On a parlé de comment on fait l'argent en pays. On paye l'argent dans un groupe communautaire. Le follet, le détourné. On paye l'argent dans telle base, le dévouté. On paye dans le secteur privé, le détourné. On paye dans le bloc dans les pays. C'est la même leçon. Ça veut dire la corruption, l'impunité comme technique de vie en Haïti. Qui vient tous les coups d'après presque un culte de vie. C'est ça. Et c'est ça que c'est une situation complexe. Parce que chaque fois on parle de corruption, on dit qu'il y a Martin pour là-dedans, ou qu'il y a Sor là-dedans, ou que c'est ça lié. Et puis, sous prétexte des spaghettis, nous ne pouvons pas résoudre le problème. Alors que tout le monde connaît, tout le monde va mêler. Maintenant, lorsque je dis la seule ressource que le pays a possédé, c'est les taxes douanières. Nous faisons un petit coup pour une petite minorité d'ados, qui en soi-disant de l'État. Non, mais Gabriel, son interview lié. Mais là, après tout espace, ça pour qu'on te comprenne. Il vient pas interview encore. Ok, ça, son interview lié, ça veut dire que quand même, il faut me poser une petite question pour répondre. Bon, petit bagaille. Justement, on allait dans la question de douane, nous, en début, pouvoir. Jovenel Moïse là, monsieur te remettre Andy Renault dit pour son jeune lui-même qui était proposé des monde pour prendre douane là. Mais Gabriel Fortuné m'a rappelé que où t'es là, où c'est un ayant droit. Le gars de Jovenel Moïse qui a pour mettre la douane à peut-être une plus gros importateur de pays, c'est lui-même qui a dit la douane où t'es moins. Le gars de par exemple APN, son sénateur relé dit sénateur après APN, où là au présent Gabriel ayant droit de ce pouvoir. Qui sont fait ou toujours qu'on positionne. Non. Pas faire ça, ou toujours qu'on positionne. Je dis à moi demander formellement au président de la République pour faire tout ça possible pour récupérer l'institution de l'État comme la douane, comme APN, comme AN, comme ONA. Les ports de ce pays, il faut que récupérer. Où sont disons lâches les pas capables? Où sont disons lâches les pas capables? Je dis à vous, M. Bagay. Je dis à vous, tout le petit gaz à subventionner, vous connaissez ça. Et ça coûte l'État 20 millions de dollars environ chaque mois. 20 millions de dollars. Parce que tout le monde vient dans Gaza. Et maintenant, si nous ne sommes pas capables de dépouiller tout le monde, non? Combien l'État a perdu le droit de nous? Et qu'il confiait à un groupe de mafieux. Donc, oui, nous subventionnons 20 millions de dollars chaque fois. Bon, par contre, c'est très exact. Mais notre douane, combien nous perdons? Il y a des études sérieuses qui montrent qu'on nous perdu maintenant 2 milliards de dollars presque chaque année, notre douane. N'importe qui est-ce qui a l'allé? N'importe qui est-ce qui a allé? L'allé dans un petit groupe, mais un petit groupe raciste, derrière qui a gardé le peuple avec des dés. Et même ces politiques esclaves qui sont au Parlement ou au palais, leur parler de eux, ils parlent avec toi, avec beaucoup de mépris. Je dis, c'est ça le débat. Là, même, on parle d'accord politique, on parle maintenant entre les esclaves maintenant, qui est mis ça dans les eaux. Qui est-ce qui gêne plus, qui est-ce qui gêne moins. C'est pas de ça que je parle. Je parle de, et ça fait même toujours parler, d'une commission de vérité sur les crimes économiques et financiers. Donc, ça, c'est des crimes économiques. C'est des crimes économiques. Maintenant, le renouvellement, maintenant, qu'on a parlé de. Non, c'est pas d'accord, Diesel. Le contrat de Diesel.
Qui transparence qui gagne? Combien ça? Vous dites que tu as apporté l'État 400 millions de dollars pour le renouvellement. Mais maintenant, vous avez fait pour 130 millions. Vous avez fait pour 137 millions. Alors que vous avez 150 millions dans le Taïwan, on croit que si vraiment bien négocié avec Digicel, elle le dit, je vais faire 250 millions, je vais faire 300 millions. Radio Omega. Faut dossier nous vignes sur les appuis. C'est ça ma parlé d'accord politique. Entre les deux tri, nous, la mafia d'État traditionnel, que de toute façon, faut, si vous voulez, faut qu'on réconcilie avec eux, si vous voulez. Parce que, on balle où je dis à ces gens qui ont perdu, oui. Nous devons donner l'eau à tout. Mais ces gens qui ont perdu, ça n'est pas capable de continuer comme ça. Tout dossier d'État, ou le sénateur, ce n'est pas spectacle ça, il y a le droit. Il y a bataille pour mieux être trio. Il y a bataille pour mieux être trio. En tant que sénateur de la République, dossier nous. Le ministère des Finances, il faut démanteler le ministère des Finances. Foyer côté, mettre un mafieux, mettre contrôler l'État. Clarification des finances. Je veux dire, c'est ça le débat. Comment, si je dis à Génois, parler, il faut me clair avec eux. Comment, quelle opération a fait pour libérer l'État comme principal instrument de changement, de progrès. Et puis vous ne pas quitter le tombé dans mes vagabonds encore. Gabriel Fortuné, nous allons garder une autre question à soi. Où tu es ancien, où tu es dans le Parlement comme député, mais tout comme sénateur de la République. Moi, je songe un dossier que tu mené, d'ailleurs, où tu prends la presse pour te dire corruption, vol et pot de vin dans le Sénat, nous dans l'année 2007. Et les centres d'appareil de dossier sur la banque. Je dis à comment ancien parlementaire, comment ancien sénateur de la République, l'homme garde par exemple cette histoire de Nega prend cobre, ben veux-tu, en voilà. Le cas au nom de Dieu, lui, par exemple, le cas de Gracia Delva, et le cas de Nek qui prend l'argent, le cas de Yuri Latoti, que Gracia dit clairement qu'il était porté chèque Bali, etc. Le gars, tout bagaille, ça, yo, comme ancien sénateur, qui soit dit tête où? Pas aucune mauvaise conscience, je suis de Sokabok, ou que même moi, je suis venu avec Dessis Sokabok, je suis fait l'unir sur lui, naturellement. La vue d'un pays d'impunité, pas que personne n'a l'eau dans la prison. Laisse ça, bon sénateur, t'es cité non clairement. Ou t'es cité non, oui, dire Rivo. Nous sommes juste ça. Tout le monde, écoutez, je dis à quelqu'un qui est des mouns qui sont dans le chocabon, et puis je dis à quelqu'un qui est dans le chocabon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais revenir avec question au Sénat. T'as le 11 secondes, Vous dites qu'il y a des mouns qui sont dans le chocabon, je dis à quelqu'un qui est dans le leçon. Oui, qui est dans le leçon. Qui est donneur de leçon. Bon, c'est ça, Haïti. Parce que je dis à tout le monde, je suis d'impunité. Je dis à le problème, c'est que l'impunité fait que tout le monde qui peut aller à haut, tout le monde qui peut aller répondre devant le juge, je dis à ce qu'on n'a pas de leçon. Vous même pas de leçon, ça y est. Et vous connaissez pas de leçon, ça y est. Vous comprenez? Maintenant, regardez le scandale qui arrive au Sénat, le dernier scandale qui arrive au Sénat, avec le sénateur, gesteur, au nom de Dieu. Avec cette fameuse et dame qui fait. Madame, Milan Casséus. Milan Casséus, qui contrôle le Super Déco, qui contrôle le ministère des Finances, qui contrôle le Sénat de la République, qui a fait chaque chose qu'il veut le pour. C'est comme si le dossier a fini. C'est comme si le dossier a fini. Il finit, il va être suivi encore. Où est-ce qu'on va parler de lui encore? Une chose aussi criminelle, aussi grave, aussi évidente, que nous battons bravo. Pour brigade policière là qui était maintenant qui a mené l'investigation quand même, qui mettait nos parfums sur question ça. C'est BAC, Bureau des Affaires Criminelles. C'est comme si une intention y a clarté de ça. Non, faut nous autoriser par le magicien. Faut nous autoriser l'institution haïtienne. Faut nous autoriser pour nous louer la vérité. Pour nous louer la ramification. Comment nous faisons comme ici, comment nous faisons ça, comme ça ici. Et puis je vous dis, c'est la guerre des gangs. C'est la guerre des gangs. Et puis comme si Ngadou Bala l'a passé, comme si il a fait peuple capricé, parce qu'il a fait peuple capricé là. C'est la guerre des gangs. Radio Omega. Donc je dis, si on parle de jeunesse, il faut que bien comprendre. Parce que l'autre jour, on a tiré les bagages là. Vous pouvez même que Bladé, même si Petro Caribe n'est pas capable de diriger, il n'est pas capable de diriger, non. Maintenant, Jean Bagay là, il est entré là-dedans là. Où est-ce que ça passait? C'est comme si le dossier a fini, je dis à intérêt. Non!
Je dis à fond tout le monde bataille pour une commission de vérité et de justice sur crimes économiques et financiers qui passaient de Duvalier à l'enfant. Et c'est ça qui a réconcilié le pays avec cette nègre. C'est ça qui permet de faire une institution nouveau. Et lorsque d'une série de monde, pas pour mettre tout le monde en prison, d'une série de monde qui est vraiment le devant du jour, qui est vraiment sanctionné, à ce moment-là, le monde a pété de nouvelles balises pour que les bagages soient faites pour l'autre champ. Vous faites autrement. Il faut nous faire lumière sur ça. Nous ne sommes pas capables de gagner. L'État n'est pas capable de faire cadeau. Nous ne sommes pas capables de mettre en otage. Nous ne sommes pas faits pour comporter nous comme des lâches et des complices. Alors que la population, ça, qui a vu quand même la misère et l'ignorance, le tirer conscience, il n'est pas même qu'on est mis aujourd'hui. Parfois, il y a attaqué lui à une petite malheur, ça a été de classe moyenne, qui a signé une machine pour rappeler lui, et son deal. Hein? Ignorance et misère, c'est pas même qu'on est mis, c'est pas même qu'on bouge. Hein? Donc, il rentrait dans la guerre des gangs, il a supporté avec la guerre des gangs, alors que nous ne pouvons pas comprendre ça qui est là. En tout cas, moi connais qui rôle ou jouer, qui contribution ou jouer pour ben nous 2 ans et demi, dis ça. 2 ans et demi, quand la situation vient pi mal, ou côté contribution là-dedans même, dans ben nous Jovenel Moïse, pour pendant 2 ans ça n'a pas souffert. J'assume. Ou non, justement, vous avez intérêt à assumer. C'est connu. Mais Kounia, regardez, bon mettre tête dans ça. Non. Résister sur lui, c'est très politicien, son frère. Mais les journalistes à tout, le côté sensationnel qui est important pour déstabiliser, vous comprenez ça? Non, me rappelons ça. Le côté sensationnel. Non, même tout rappelons ça. Non, même tout rappelons ça. M'a prêté en entier et m'a posé toutes questions. Non, m'a suivi. Yes, on rappelle. C'est pas parce que, comme si nous avons dit, le président en difficulté, c'est pas parce que le pays est arrivé là, m'a cherché cause. Et me dit toujours que même position. Parce que moi-même, j'ai la réaction, Mathis. Eh, mais bon, bozo, qui te pose une question, Kounia? Moi, permettez-moi, puisque vous mettez dans ça, est-ce que vous dormez ou réfléchissez ou qu'abandon nous, au moins, un élément de solution pour nous sortir dans ça, Nia? Comment vous mettez la donne? Est-ce que vous avez fait un jeu pour nous sortir dans ça? Non, même jusqu'à présent, côté Mathis, ma bataille pour que le président fait jouer un accord politique avec ses opposants. Ou pas le choix. À opposant qu'on dit trafiquant politique, oui. Corrupteur, oui. Corrompu, oui. Malheureusement, je dis à obligé de composer avec vous. Pour étape par étape, obligé de composer avec vous. Obligé de composer avec vous. Mais, maintenant, je dis à ce n'est pas de courir ce gouvernement. C'est état des lieux. Avec dit, ce problème, ne se parle là. Il faut faire état des lieux. Il faut qu'il y ait une feuille de route. Et en fonction de l'état des lieux, feuille de route là, qui gouvernement, qui personnalité, qui profil de tous horizons, qui sortit dans le secteur privé, qui sortit dans l'opposition, qui sortit dans le pouvoir, qui est capable de faire face à des fissages. Ce n'est pas courir mettre gouvernement pour mettre gouvernement dans la situation que nous là. Mais la grande concertation pour un consensus national, il est le temps pour le président commencer. Il est le temps pour le président parler avec la population, quand ce président a été élu. Je dis à mais dans la situation que vous voyez, il faut parler avec nous. Il est président à le parler. Il doit s'exprimer. Il faut faire adresse à la nation pour faire un état des lieux. Pour qu'il paye position et pour dire mais ça l'a fait. Et ça l'a fait, c'est la grande conservation. C'est un dialogue. C'est un dialogue profond et sincère. Mais entre toutes les composantes de la nation, maintenant, avec un pile sagesse, il faut nous faire autocritique. Il faut nous faire autocritique. D'abord, parce que c'est l'élite pays, l'élite économique, l'élite politique pays qui convertit en mafia d'État. Mais c'est pays en État ça. Et ça faut qu'il y ait autocritique qui fait. Ou qu'à marcher, faire gouvernement, marcher gouvernement, ça ne peut pas changer les choses. Je dis, il faut un consensus. Et consensus, ça, il faut commencer par une commission de vérité. Il y a des crimes qui fait, il y a des batailles qui fait. Il faut nous arriver à le pardon. Le pardon, ça ne veut pas dire l'impunité. Le pardon, ça ne veut pas dire l'immunité. Hein? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Mais le courage, je dis, pour nous présenter devant le pays, pour nous dire, mais ça nous fait pays. Mais ça nous fait pays. C'est ça. Et maintenant, nous, mais ça n'a fait, pour ça pas jamais fait encore.
pour mettre une population dans la situation qu'il y a de la pauvreté. Merci un pile, Gabriel Fortuné. Moi, je suis content de parler avec vous. À bientôt. Sauf que. C'est bien, monsieur. Voilà, à bientôt. Oui.